superbe course tactique. Bon, on oublie le chrono, l'important c'est la médaille. Pas trop déçu? Bah, bien sûr que non, je pense que, voilà, comme on l'a dit hier, j'étais déçu parce que j'ai fait une course où, voilà, qui m'a pas plu du tout. Aujourd'hui, je fais deuxième. Je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui m'avaient déjà enterré depuis hier. J'ai su répondre présent. Et maintenant, voilà, je sais que la médaille d'or était possible, mais la cinquième place aussi, parce que ça se finit vraiment serré. Et voilà, je l'ai un peu fait ma médaille, parce que c'est moi qui ai pris des risques aux 200 mètres et aux 250. Je me replace comme il faut. Alors, après, avec un peu de chance, parce que le Finlandais tombe, ce qui me permet de pouvoir passer. Mais voilà, c'est les aléas de la course. Fallait être là, j'ai été là. Et donc forcément, je suis content. Je peux pas être déçu d'une médaille d'argent, parce que sinon... Sûr que j'aurais préféré l'or, mais voilà, j'ai l'argent alors que j'aurais pu avoir une 12e place si j'aurais couru comme hier, donc il n'y a rien à dire, je pense. Je parle de déception parce que justement, tu aurais pu avoir l'or. Bah, j'aurais pu avoir l'or, mais j'aurais très bien pu avoir aussi la 5e place, donc forcément, moi, je préfère avoir l'argent que la 5e place. Donc l'or, voilà, j'espère. Il me reste encore un championnat, donc voilà, il faudra déjà que la course que j'ai faite ici, il faudra vraiment, là, en finale, il faudra que je réalise dès les séries au jeu pour pouvoir prétendre à passer un tour. Et puis chaque tour, ce sera une finale pour moi. Et donc il me reste 3 semaines. Je serai à mon pic de forme pour les jeux, ce que j'arrête pas de dire. Donc voilà, la médaille d'or, elle est pas pour cette année, mais voilà, je reviendrai dans 2 ans. Et j'espère qu'elle sera pour dans 2 ans. Mais dans 2 ans, je peux revenir et faire 6e, je sais très bien. Et c'est jamais rien n'est acquis en athlée. L'année prochaine, il faut remettre tout à zéro. Il faudra refaire une saison, des entraînements et voilà pour en arriver là. Justement, vous êtes 6 en 63 centièmes. Qu'est-ce qui a fait la différence dans le final? Bah voilà, je pense que c'est la prise de risque. Le fait que c'est moi qui attaque, déjà je me retrouve devant. Donc après, quand ça arrive, quand ça revient derrière, on est toujours mieux d'être devant que de vouloir doubler. Et puis bah, le Norvégien finit fort parce qu'il est très loin au 120. J'ai eu la chance de voir ma course avec France 2. Donc il est au 120, il est au moins 10 mètres derrière moi et il arrive à revenir, donc il n'y a rien à dire, il était plus fort que moi. Après voilà, j'arrive à contenir Bustos que j'avais déjà battu l'année dernière aux Europes Espoir. Vojta, celui qui gagne notre série, il est tombé apparemment à 200 mètres de la ligne. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde dans la balèche finale, mais je pense que le résultat aurait été quasiment pareil s'il y aurait eu tout le monde, parce que ceux qui se retrouvent à 20 mètres, à 200 mètres, pour reprendre 20 mètres, il faut vraiment faire une grosse différence. Mais bon, je sais que c'est possible, mais voilà. Moi, j'ai fait ma course, j'ai pris mes risques, mes responsabilités, j'ai pris des risques, et ça a payé. Je suis content de cette médaille d'argent. Tu connaissais ce Norvégien qui a déjà couru en 3:36? Il a fait 3:36:36, il m'avait déjà battu il y a 2 ans à Göteborg. Il me semble que j'avais couru à Göteborg. Je savais qu'il finissait fort. Il l'a encore prouvé aujourd'hui, il finit très fort. Mais bon, voilà, je le connaissais, mais c'est pas parce qu'il finit fort, je sais que je peux finir fort. Mais bon, il finit plus fort que moi aujourd'hui, et... J'espère qu'au jeu, je finirai plus fort que lui si ça doit se jouer pour une place en qualif. Et puis voilà quoi. Mais oui, je le connaissais. C'est le nouveau record de Norvège. C'est lui qui a le record de Norvège. Et je pense qu'il doit valoir bien mieux que 3:36 maintenant, parce qu'il a fait 3:36 au mois de mai ou début juin, il me semble. Donc je pense que c'est comme nous, il doit monter en puissance. Donc voilà, je le laisse continuer sa préparation. Je continue la mienne et on verra qui sera le plus fort au jeu. Tu parles de la pic de forme, donc on peut avoir une idée au niveau du chrono justement pour Londres. Pour Londres, bah je pense qu'on n'aura aucune idée. Quoi, j'aurai aucune idée. Moi, j'irai avec un capital confiance ou qui sera fait aux entraînements et j'espère vraiment faire passer des bonnes séances et être serein là-dessus. Parce que je ferai aucune compète avant les jeux. Je ferai vraiment 3 semaines de préparation parce que je peux pas placer une compète. Parce que pour placer une compète et courir en 3:34, faut forcément faire une semaine de léger avant. Parce que sinon, on fera pas 3:34. Alors ça fait louper une semaine, après il faut la récup derrière, ça fait qu'on perd 10 jours à 15 jours à 12 jours de préparation. Et moi j'ai pas envie de prendre ce risque, je préfère faire 12 jours de travail et arriver au jeu voilà, avec 12 jours de travail en plus dans les jambes et après on verra le chrono après les jeux parce que j'arrêterai pas ma saison, donc on verra combien je vaudrai après les jeux. Donc j'espère que faire mieux que 3:33:60, mais bon, pour l'instant je pense que j'y suis pas encore, mais ça va monter et au jeu je pense que je serai nettement mieux. Je serai pas nettement mieux, mais je serai à mon record, voire en dessous. Et en tout cas, on travaille pour ça avec mon entraîneur, donc je lui fais confiance. Après, c'est à moi de faire le travail et ce qu'il faut à côté, et puis voilà. Est-ce que tu vas monter en altitude? Non, je ne monterai pas en altitude, je resterai dans ma région, donc aux alentours de Nemours, la ville, dans la ville qui me soutient maintenant depuis 3 ans pour préparer ces Jeux Olympiques. Et puis voilà, il y a d'autres partenaires qui sont dans cette région, et
Je pense que moi, je monte jamais en altitude avant les grosses compétitions parce que voilà, je monte l'hiver et quand je reviens, je suis tout le temps fatigué pendant un mois. Et voilà, l'hiver, c'est pas trop important parce que c'est souvent, j'y vais souvent après les Europes de cross, donc c'est déjà passé. Donc après, que je sois pas bien pendant un mois, c'est pas très important. Mais là, voilà, je veux pas prendre de risques. On l'a pas fait l'année dernière pour avant des goûts. On l'a pas fait les autres années. Ça a très bien fonctionné. Donc j'espère que ça fonctionnera encore cette année, même si on monte pas en altitude, et on verra les autres années si on change de tactique ou pas. Merci Florian. Merci à vous et bonne soirée à vous.